Les extraterrestres. La vie s'épanouirait-elle uniquement sur Terre? Qu'en serait-il de la réincarnation? Quelles sont nos croyances? Que dire de la communication par voie télépathique? Notons que la peur et la charnière entre l'habitude et la connaissance, a-t-on l'habitude de dire. Qu'en est-il du temps? Qu'en est-il de l'espace? Qu'en est-il de la Terre? Qu'en est-il de l'univers? Pour l'être humain, les choses qu'il ne comprend pas, c'est dans son habitude de les diaboliser, hélas. Qu'en est-il des relations entre humains, et avec autrui, et avec soi? Qu'en est-il des relations interrègnes entre l'être humain et le règne minéral, entre le règne végétal et avec le règne animal ou encore les entités? À l'approche d'une manifestation extraterrestre, il semble que la gravité soit perturbée. Il y aurait dans la physiologie alentour et du biotope à proximité de telles manifestations une déformation de la réalité. Qu'en est-il de nos sens, du champ de nos perceptions? Qu'est-ce que la priorité d'une perception par rapport à une autre? Est-on plutôt auditif, plutôt visuel, plutôt olfactif, plutôt gustatif, plutôt kinesthésique? Ou bien a-t-on un sens du mouvement, de l'imbrication des sons, etc. Qu'est-ce qui conditionne l'ordre, la qualité et le pourcentage de nos perceptions? Qu'en est-il de l'invisible? Qu'en est-il vraiment de cet invisible? L'esprit et la matière s'imbriquent-ils obligatoirement? Peut-il y avoir de la matière sans l'intervention de l'esprit? Peut-il y avoir de l'esprit uniquement esprit? Quels sont leurs rôles respectifs? On dit habituellement que Dieu, ou la forme d'onde vibratoire créatrice divine, sait. Que Dieu connaît notre chemin de vie. Que Dieu sait l'évolution de notre âme. Qu'elle connaît tout ça, cette onde vibratoire créatrice. Incluons-nous Dieu parmi les entités extraterrestres? Est-ce que l'objectif d'une entité extraterrestre est de détecter, voir sans se faire voir? Est-ce la base de l'invisibilité? Pourquoi? Est-ce par discrétion? Est-ce pour mieux observer? Est-ce pour mieux observer sans influencer le biotope, ni les êtres humains, ni les autres règnes? Il semble que les extraterrestres soient là pour observer et pour aider. Cela impliquerait une facilité d'adaptation à ce monde-ci et ses règnes pour avoir deux cartes, l'adaptation et la suggestion, ou l'aide efficiente, effective. Dans quelle mesure un extraterrestre peut savoir si ce qu'il fait pour aider est bon ou juste? Quel est le véritable objectif? À qui profite le crime, entre guillemets? Quel est le sens de la démarche? De pion à joueur, immodestement sûrement. Mais l'important n'est-il pas d'avoir conscience d'être là un moment, être un pion, et à un autre moment d'être un joueur? Et cela dans le contexte de l'adaptation obligée pour être efficace, pour détecter, pour comprendre et avoir une action volontaire ou pas, ou involontaire mais consciente, et qui porte ses fruits pour le plan supérieur de l'esprit. Cela met l'être humain dans un état où il se suppose être réceptif au message. Cela implique donc un éventail du choix. On nous mettrait en position de pouvoir choisir. Mais est-ce réel ou est-ce une illusion? A-t-on finalement le choix? Par exemple, un matraquage publicitaire incite et modifie le comportement de son audimat par une action qui, implicitement, rend dépendant l'être humain. A-t-on vraiment le choix de résister?
Et jusqu'à quand? Notant que le temps nuit gravement à la santé de l'être humain. Et un sujet en bonne santé ne réagit pas comme un sujet en mauvaise santé. Non démocratique, les guerres d'influence, peut-être. Non démocratique, tout simplement, la liberté de choix, peut-être.